Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Alexander qui va vous animer la partie du jour comme d'habitude. Il n'y a que moi qui anime pour l'instant, donc bon, on ne sait jamais. Par la suite, peut-être qu'il y aura des développements, de nouvelles recrues. On ne sait pas, on ne sait pas. Ce n'est pas à l'ordre du jour en tout cas, donc c'est toujours moi qui suis là. Aujourd'hui, partie normale à vocabulaire courant. Voilà, donc on tire 7 lettres à chaque coup et les tops sont des mots de vocabulaire a priori courant. Hein. Si jamais vous voyez une chose, parce que c'est subjectif, hein, le côté courant du vocabulaire, n'hésitez pas si vous voyez une incongruité ou quelque chose qui vous paraît comme étant une anomalie en matière de vocabulaire courant, n'hésitez surtout pas à m'en parler. Alors il arrive que dans les deux, trois derniers coups, on n'arrive pas à respecter cette contrainte. Et puis aussi, dans certains cas, le mot retenu va être un mot qui n'est pas de vocabulaire courant, mais quand c'est ça, il a un isotope, au moins un isotope qui est de vocabulaire courant. C'est juste qu'on choisit l'autre mot pour l'ouverture de la grille, hein. Mais il y a toujours un mot au moins au top qui relève du vocabulaire courant. On va démarrer donc cette partie. Je vous rappelle qu'il y a un jeu concours en cours, si j'ose dire. Vous avez le lien dans la description. C'est une petite question avec un tirage au sort. Voilà, donc n'hésitez pas hein, pour gagner. Si vous voulez gagner un EDS ou faire gagner un de vos proches, eh bien n'hésitez pas à participer et à partager. Voilà, vous avez le lien dans la description. Vous cliquez, vous avez un petit formulaire Google à remplir. La condition, c'est de s'abonner à la chaîne pour participer, ce qui est gratuit, hein, bien sûr. Et puis de répondre à la question, d'essayer de répondre juste, hein. Et attention, il y a un piège. Donc, faites attention. Voilà. Enfin, il y a un piège. Il n'y a pas de piège dans la question, mais vu les premières réponses. Voilà, il y a une subtilité, donc faites attention. Voilà, j'en dis pas plus. On va démarrer cette partie normale à vocabulaire courant dans quelques secondes. Ah, et puis à la fin, il y aura le traditionnel décodage, les sous-topes, isotopes, les définitions et les potentialités des tirages. Vous n'avez donc aucune lettre devant vous. Je vous souhaite une bonne partie. Voici Grèce G. Canada C. Italie I. Norvège N. Maroc M. Algérie A. Et Portugal P. Vous jouez avec Grèce, Canada, Italie, Norvège, Maroc, Algérie et Portugal. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 82 points. Bon, c'est pas trop la saison par ici en France, mais on va le jouer quand même. Pour 82 points, donc horizontalement en H4, nous posons le camping. C-A-M-P. Le I sur la case centrale. NG Camping H4, ça fait 82 points. Au reliquat, aucune lettre, puisqu'on vient de scrabler. Voici Danemark D, Égypte E. Votre premier joker, lettre blanche. Océanie O, Algérie A, Norvège N, deux fois. Vous jouez avec Danemark, Égypte, joker, Océanie, Algérie et Norvège deux fois. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Un maximum à 80 points. Un maximum à 80 points. Verticalement en 8 haches en partant du I de camping et en utilisant le joker comme un R de Roumanie, nous descendons inondera. I-N-O-N-D-E, le joker qui est un R de Roumanie et A. Inondera 8 haches, ça fait 80 points. Aucune lettre au reliquat après ce nouveau Scrabble. Voici un nouveau tirage. Égypte E. Roumanie R. Tunisie T. Algérie A. Égypte E, c'est le deuxième. France F. Et Norvège N. Vous jouez avec Égypte deux fois, Roumanie, Tunisie, Algérie, France et Norvège. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 94 points. Horizontalement en K4. Faites attention à la place. C'est en K4.
on appuie sur le N, le deuxième N de inondera. Sur les deux cases roses, nous posons enfanter. E, N, F, A, N, T, E, R. Enfanter, E, N, F, A, N, T, E, R, c'est en K4. C'est le deuxième N de enfanter qui se confond avec le deuxième N de inondera. Et ça fait 94 points. Aucune lettre de nouveau après ce Scrabble. Et voici Venezuela V. Égypte E. Norvège N. Italie I. Océanie O. Italie I, c'est le deuxième. Et Suisse S. Vous jouez avec Venezuela, Égypte, Norvège, Italie deux fois, Océanie et Suisse. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 86 points. Faites très attention à la solution choisie. Horizontalement en N8,
En partant du R Joker de Inondera, nous posons révision. R E V I S I O N. Révision N8, ça fait 86 points. Aucune lettre au reliquat de nouveau. Voici Égypte E. Uruguay U, deux fois. Égypte E, c'est le deuxième. Québec Q, Québec. Wallonie W. Et Suisse S. Vous jouez avec Égypte deux fois, Uruguay deux fois, Québec, Wallonie et Suisse. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 46 points, horizontalement en L1. Attention à la place, nous jouons en L1. Pour terminer, sous les deux premières lettres de enfanté, nous posons que Q, U, E. U, E. Le deuxième U forme U, E, U avec le E de enfanté et le E final de queue forme ne, N, E avec le N de enfanté. Que, attention
à l'orthographe aussi, hein, nous jouons le mot en 5 lettres, Q-U-E-U-E, en L1, pour 46 points. De lettres, reliquats, Suisse et Wallonie, nous allons les rejeter. Donc vous rejetez le S et le W. Et voici Océanie O. Égypte E deux fois. Belgique B. Maroc M. Uruguay U. Et Italie, I. Vous jouez avec Océanie, Égypte deux fois, Belgique, Maroc, Uruguay et Italie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 42 points. Verticalement en 1J. On appuie sur le cul de queue. Nous descendons moquer. M-O-Q-U-E-E. Moquer, M-O-Q-U-E-E, en 1J, ça fait 42 points.
Belgique, Italie, au reliquat. On ajoute 5 lettres. Algérie, A. Luxembourg, L. Hongrie, H. Égypte, E. Et Suisse, S. Vous jouez avec Belgique, Italie, Algérie, Luxembourg, Hongrie, Égypte et Suisse. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 88 points. Verticalement en 11B. De façon à mettre un S au bout de camping. Nous descendons à Bill. H-A-B-I-L-E-S. Le S vient mettre camping au pluriel. Habile, H-A-B-I-L-E-S, en 11B, ça fait 88 points. Aucune lettre après ce Scrabble. Au reliquat, voici Égypte E. Roumanie R. Égypte E, c'est le deuxième.
Maroc M. Luxembourg L. Égypte E, ça vous en fait 3. Et Belgique B. Vous jouez avec Égypte 3 fois, Roumanie, Maroc, Luxembourg et Belgique. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 30 points. Verticalement en 15 cas. En appui sur le N de révision, nous descendons ébène. E, B, E, N de révision et E. Ébène, 15 cas, ça fait 30 points. Un reliquat de 3 lettres, Luxembourg, Maroc et Roumanie, que vous allez rejeter. On rejette le L, le M et le R. Et voici cette nouvelle lettre, Venezuela, V, Canada, C, Luxembourg, L, Roumanie, R, Égypte, E, Roumanie, R, c'est le deuxième, et Algérie, A.
Vous jouez avec Venezuela, Canada, Luxembourg, Roumanie deux fois, Égypte et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 40 points. Horizontalement en B10, en appui sur le H de habile. Nous posons cheval. C-H-E-V-A-L. Cheval, C-H-E-V-A-L. En B10, ça fait 40 points. Au reliquat de lettres Roumanie deux fois que vous allez rejeter. Donc on rejette les deux R et on repart avec Roumanie R, mais un seul cette fois. Italie I. Votre deuxième joker, lettre blanche. Norvège N. Océanie O, Suisse S et Égypte E.
Vous jouez avec Roumanie, Italie, Joker, Norvège, Océanie, Suisse et Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 122 points. Vous ferez attention et à la place et à la place du Joker. Le Joker sera un I d'Italie. Verticalement en 15A, en appui sur le L de cheval, nous descendons et lirions. E, L, Joker I d'Italie, R, le vrai I, O, N, S. Et lirions 15A, ça fait 122 points. Aucune lettre reliquat après ce Scrabble, voici Maroc M, Luxembourg L, Zambie Z, Italie I, Suisse S, Luxembourg L, c'est le deuxième. Et Uruguay U,
Vous jouez avec Maroc, Luxembourg deux fois, Zambie, Italie, Suisse et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 24 points. Verticalement en 12 A, on appuie sur le E de cheval et en collant à droite de habile, nous posons seuil. S, E de cheval. U, I, L. Au passage, on forme O, A, U, B, B, I et Il, I, L avec trois des lettres de habile. Seuil 12 A. Ça fait 24 points. Trois lettres au reliquat, Luxembourg, Maroc et Zambie. C'est de nouveau un rejet, donc on rejette le L, le M et le Z. Et voici Tunisie, T. France, F. Tunisie, T, c'est le deuxième. Algérie A,
Luxembourg, L. Suisse, S. Océanie, O. Vous jouez avec Tunisie deux fois, France, Algérie, Luxembourg, Suisse et Océanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 74 points. Verticalement, en 13F, on appuie sur le deuxième I de révision. Nous posons flottet. F, L, O, 2 T, A. I de révision et S, n'oubliez pas le S final, flottait F-L-O-T-T-A-I-S en 13H. Ça fait 74 points. Aucune lettre au reliquat. Voici Égypte E, Xénophon X, Roumanie R deux fois.
Algérie A. Uruguay U. Et Tunisie T. Vous jouez avec Égypte, Xénophon, Roumanie deux fois, Algérie, Uruguay et Tunisie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 47 points. Verticalement en 9K en double appui sur le T de enfanté et le E de révision. Tout en collant à droite de Ilon de Rat, nous descendons taxe. T. A, X, E. Le A forme DA et le X forme X avec le D et le E de Inondera. Taxe 9K. Ça fait 47 points. Un reliquat de 5 lettres, Égypte, Roumanie deux fois, Tunisie et Uruguay, auquel nous ajoutons Jordanie J et Italie I. Vous jouez avec Égypte, Roumanie deux fois, Tunisie, Uruguay, Jordanie et Italie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 28 points. Attention à la solution choisie verticalement en 5C. En appui sur le A de camping, nous descendons Jurerai. J-U-R-E-R-A de camping et le I final. Nous avons bien joué Jurerai, la troisième lettre est un R de Roumanie, en 5C pour 28 points. Un reliquat d'une seule lettre, Tunisie. On y ajoute Algérie A, Yougoslavie Y, Luxembourg L, Portugal P, Zambie Z et Algérie A, c'est le deuxième. Vous jouez avec Tunisie, Algérie deux fois, Yougoslavie, Luxembourg, Portugal et Zambie. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Un maximum à 51 points horizontalement en F2. On appuie sur le E de jurerait. Nous posons payer. P-A-Y-E-Z. Payer en F2, ça fait 51 points. Un reliquat de trois lettres, Algérie, Luxembourg et Tunisie. On ajoute Suisse S, Maroc M, Italie I et Danemark D. Vous jouez avec Algérie, Luxembourg, Tunisie, Suisse, Maroc, Italie et Danemark. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 23 points. Attention à la solution choisie horizontalement en O3. De façon à mettre un S au bout de taxe, nous posons dilata. D. I, L, A, T, A de Inondera
et le S qui vient au bout de taxe. Dilata, D-I-L-A-T-A-S, ça met taxe, ça rajoute un S au bout de taxe, et ça fait 23 points. Au reliquat, une lettre, Maroc, on la rejette. On rejette le M et on prend Danemark D. Tunisie T. Hongrie H. Roumanie R. Océanie O. Grèce G. Et Uruguay U. Vous jouez avec Danemark, Tunisie, Hongrie, Roumanie, Océanie, Grèce et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 35 points pour ce qui sera le dernier coup de cette partie. Normal à vocabulaire courant, verticalement en 14F, en collante à gauche de Elyrion. Et puis en s'intercalant entre le F de flotter et le S de Elyrion, nous descendons Hu, H, O, U. Le H forme Ho, H, O. Le O forme On et le U forme Fu, F, U, S, avec les lettres déjà en place. Hu, H, O, U en 14 F, ça fait 35 points. Voilà qui clôt cette partie.
Elle compte 17 coups et le top cumulé est de 992 points. Voilà, j'espère que vous êtes bien amusé. Et puis c'est pas fini de toute façon, puisque on va décoder tout ça dans quelques secondes. Allez, jingle. Un décodage en trois temps, comme d'habitude. Premier temps, on passe en revue les isotopes, les sous-topes, c'est-à-dire les autres solutions les plus intéressantes à jouer sur chaque coup. Deuxième temps, les définitions des mots peu courants. Alors, par principe, il n'y en aura pas beaucoup là, puisque c'est une partie à vocabulaire courant. Mais voilà, dans les isotopes ou dans les sous-topes, il peut y avoir des mots à définir. Et puis même. Parfois, j'ajoute ça. Enfin, je vais parfois chercher un mot qui m'apparaît important à connaître, même si son score n'est pas spécialement élevé dans les sous-tops. Et puis, troisième temps, les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions théoriques, hein, en 7, 8 et parfois 9 lettres, que nous n'aurions pas vues dans la pratique, c'est-à-dire ni pendant la partie, ni pendant le premier temps du décodage, où on passe en revue tous les sous-tops et isotopes. Voilà, alors, au premier coup, Scrabble Unique, il valait mieux pas le louper, Camping, qui faisait 82 points bien placés, sous-top Panique, à 24 points, Manip, à 22, Pigna, aussi, 22, Nikam, à 20 points, Pinça, également. Voilà, donc, un coup pas... Scrabble Unique, c'est jamais facile. Enfin, c'est toujours difficile, plutôt. Et voilà. Camping, bon. Je sais pas, vous me direz si vous avez trouvé ou pas. Je me rends pas compte. Le mot est très connu, mais est-ce qu'on le trouve facilement ou pas ? Aucune idée. Ensuite, le coup d'après. Alors là, on avait beaucoup de solutions. Alors, une seule à 80 points, hein, en 8H, avec le dé qui double et le mot qui triple, inondera. Et puis ensuite, plein de solutions à 77. Alors, une en 11B qui mettait camping au pluriel. Et puis beaucoup d'autres en 8A ou en 8H. Non, 8H, il n'y en a pas. Non. Donc, en terminant sur le hit camping, des conjugaisons, bedonner, déconner, dénoncer, détonner, donnerait, redonner. Tout ça, ça fait 77 points. Ensuite, à 72, on part du C de camping pour doubler, donc cadonner, je vous donnerai la définition tout à l'heure, condamner, condensa, connarde. Après, il y a les 70 avec cadonner, déconner. Oui, alors tous les cadonnés qui mettent le joker sur la case bleue, ça va faire 70. Et puis ensuite, dès qu'on double sans atteindre la case bleue, eh bien c'est 70 aussi, avec toutes les... flexion de déconner et dénoncer, hein, qui sont deux verbes anagrammes. Et puis il y a encoder aussi. Voilà. Pas mal déjà. Alors ici, fenêtra, le verbe fenêtrer, ça passe pas. Pas mal d'appuis disponibles. Hein. Là, on a placé deux scrabbles, donc on a le N, le D, le R joker, le C, le M, le A. Enfin, toutes ces lettres-là sont des lettres intéressantes pour scrabler. Donc, vous voyez la preuve. Hein. Un tirage équilibré et puis boum. Alors, on a enfanté en quadruple au top à 94. Sous top 86 avec des lettres triples mots doubles. Ce qu'on appelle un legendre, hein, quand on multiplie la lettre chère ou semi-chère et l'ensemble du mot ensuite. Référent, réfréna, ça fait 86. Déférent en double, L8, ça fait 76. Fader, même ligne, 74. Fédérant aussi. Enfanté pour anagramme faner, mais qui ne quadruple pas, lui. Enferra, du verbe enferrer. Référent, on l'a déjà dit. Etc. etc. Enferma, fermente, fermente et fermenta. Donc là, ferment, fermente comme ça, c'est un adjectif, et là, c'est le verbe fermenter.
Voilà, plein de solutions pour scrabler. Et puis si on ne scrable pas, eh ben, on a un maximum avec 34 points, pardon, Refrena ou Refera. Fenetra fait 37 en M7. Alors, ensuite, Viennois sur un N, je ne l'avais pas vu celui-là. Alors, on a joué révision pour le même score. On avait Avoisine en O8. Pourquoi j'ai pris révision? Eh bien, pour laisser déjà pour ouvrir le nonuple. Voilà, ça fait double accès au triple en fait, hein. On peut jouer un triple en 15H comme on peut jouer un triple plus bas. Et puis pour garder le A ici de Inondera en appui pour scrabler, ça me semblait pas mal. Voilà, bon, faire des choix. Voisiné faisait 74, voisine ENT en double appui, superbe place à 73, et visionne, une des anagrammes de Viennois. On les verra tout à l'heure dans le troisième temps du décodage. Visionne donc en 9B qui fait 67. Et ensuite, sans scrabler, pas plus de 34 points avec Révion ou Rivion en N8 et voisin en J10 avec le V en pivot sur la case bleu foncé. Alors, le tirage suivant, on ne scrable pas cette fois-ci. Il n'y a pas de systématisme. Donc, 46 points avec Q, Q, UE. En L1, le Q qui double, le mot qui double. En 5E, le Q et le W ensemble, il n'y a pas beaucoup de mots, mais squo en fait partie. SQAW, à retenir, hein, bien évidemment. La définition arrive. Et oué en 11E va faire 40, tout comme que, même place, 40 points. Et oué qui passe également en J1 pour 35 avec le W qui triple. Alors ensuite, pas de Z pour embouiller. De T pour embouti, on verra les autres appuis s'il y en a tout à l'heure. Parce que là, je vois ça de tête, je n'ai pas fait de recherche, donc évidemment, je ne suis pas exhaustif. Donc là, on a joué 42 points avec Moquet en 1J, un mot contre triple. Sous top, mot contre triple également avec Quoi, QOI, un peu moins, 33, puisqu'on n'a pas, on a deux lettres, 3 points de moins. Dans les lettres du mot. Adjectif baumé en J10 ou boum, même place, ça fait 28. Et boum passe également en 2J pour 28 également avec le B qui triple et le mot qui double. Et puis en 15L, une série de plusieurs mots à 27 points avec le B qui double et le mot qui triple. Béné, béni, bine, boni. Sachant qu'il y a d'autres 27 un peu. Allez, on va aller bouine en 15J et boué et E en J10 avec le B sur la case en pivot sur une case bleu foncé. Lettre contre triple. Alors, ensuite, on avait Habile, Habiles, qui passait à un seul endroit. Donc, il fallait pas le rater en 11B pour mettre un SA camping. Ça faisait 88 et en plus, c'était Scrabble unique. Sous top, 39 points avec Chabien. 12HBI va faire 38. Et en 11C, au pluriel 36, tout comme ébahi, able et albi. Le coup d'après, pas de T pour trembler. Ébène, c'est notre top à 30 points. Béné, moins 3, logiquement. Et puis en C9, alors toute une série de mots de 6 lettres qui vont rapporter 24 points. On a bimeur, blâmer, EE ou ER, bramer à 24. Donc tout ça fait 24. Et un autre 24 en 15K avec berne, mot compte triple, mais qui ne double pas le B. C'est pour ça que ça fait moins que ébène. Alors ici, cheval. Pas Scrabble, mais top unique. Alors attention, le verbe chevrer existe, hein, mais il ne se conjugue pas. Voilà. C'est rendre chèvre quelqu'un, en fait.
mais ça ne s'emploie qu'à l'infinitif. Du coup, moi j'ai vu chevrat, je me suis dit, tiens, j'ai un chevrat en sous-top. Et en fait, non, pas du tout. Enfin, en isotope. Et non, pas du tout. Non, il n'y a que cheval, pas de chevrat. C'est comme ça. Et donc, les autres possibilités, cheva, par contre, hein, du verbe chever, char, chera, 34, tout ça, c'est en même temps, au même endroit, pardon, en B10, avec le C qui triple, le H de habile et le mot qui double. En 12, I, enfantera, permet deux solutions à 34, clave et crave, et cave va y faire 32 points. Le tirage d'après, alors on a le L du nonuple de cheval là, qui est intéressant. IERONS, et puis boum, hein, on a plieron, élieron. Alors Alérion, c'est pas un, c'est un nom commun, Alerion, on verra la définition tout à l'heure. C'est pas un verbe. Élier et élire. Tiens, élier, je vais l'ajouter, je ne l'avais pas mis. Et plier, plieront, voilà. Tout ça, c'était toutes les possibilités de nonuplé. Et puis, sans nonuplé, en 15B, en démarrant du L, léeron, pardon, du verbe layer, lierion, liseron. Et ensuite, on a des 74 aussi, hein, mais en mot compte double, en 13B. Version, verrion, etc., etc. Enfin, vous voyez, hein, ça s'affiche. Vireront, un vireton, enfin des viretons, etc., etc. Le coup suivant, un joli seuil en collante, bien, bien caché, à 24 points, qui gagne 3 points sur le sous-top if, qui mettait un S au bout de queue, et on a également soum à 20 points en J7 en collante. Flottait 74, crabe l'unique, sous-top 29, avec fast en M11, qui colle hein, au-dessus de révision. Flat en 12, I va faire 26 points, enfantera. Et lof également, toujours en collante, en M11, 26. Alors, pas de S pour surtaxé, de E pour terreau, de D pour extra dur. On verra s'il y a d'autres possibilités après. Mais on a le X, hein, donc le X, on cherche les cases bleues. La case ici est intéressante, puisqu'on met en pivot pour faire X, et donc on a taxe à 47, sous top 35 avec taxom en 6D, le X qui triple, exam, même principe, le X qui triple, 34. Exo, même principe, le X qui triple, 32, même principe, ça veut dire que c'est souvent, 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 très souvent que les lettres à 10 points et 8 points sont placées sur des cases bleu foncé, puisque le but c'est de marquer le maximum de points et que ça permet justement d'en marquer un maximum. Alors, le coup d'après, dommage qu'on n'ait pas un peu plus de place pour jureret AIT, ça permettait de scrabler. Est-ce qu'il y a d'autres appuis? Là, je vois pas comme ça, on verra tout à l'heure. Juteret rapportait le même score, et puis forcément, jutera, 2 points de moins. Et on a un jeu JE en 10J avec une case bleue foncée, comme c'est bizarre. 25 points. Le coup suivant, payé à 51, typé fait 47, layé 45, tout ça au même endroit avec le Z qui triple, ayé 42, alpé 38, la P aussi tapé, talé 36, gaz en 10H fait 34, et là aussi c'est un Z qui triple. Vous voyez, je ne vous ai pas menti, hein. Voilà presque les 15 premiers coups, les 10 premiers coups, c'est le Z sur la case, la lettre chère, enfin une des deux lettres chères en l'espèce, sur une case bleue foncée. Voilà, il n'y a pas de secret. Il faut y penser. Ensuite, là, on a joué Dilata pour 23. Malta faisait le même score, même malgré la lettre en moins, parce qu'on a le M à 2 points qui double, et dans Dilata, ce n'est pas le cas.
le D ne double pas. Asa, même principe, on met un S au bout de tax, mais on colle un peu plus à droite avec VA, sur révision, ça fait 22. Tamia, même place que Malta, ça fait 22 aussi. Et enfin, le dernier coup, ou HOU, 35, sous top, même endroit, mais on ne fait pas le FU, FUS, donc ça fait un peu moins, 31, avec RHO, RHO, la lettre grecque, et puis OHO en 14F ou en J10 à 28. Alors ça aussi, c'est un très très grand classique, les modes de lettres avec une lettre semi-chère à 4 points, le H principalement, parce qu'il y a presque tout qui est bon avec toutes les voyelles, hein. H, A, H, H, alors on y va, A, H, H, A, E, H, H, E, H, I, O, H, H, O. Il n'y a que le IH qui n'est pas bon et avec le U. Donc sinon, tout le reste est en deux lettres, c'est bon. Et donc, de ce fait-là, il y a souvent, très souvent, des petits coups à 28 points, c'est-à-dire le H qui triple dans le mode de lettres horizontal, qui triple également dans le mode de lettres vertical, plus les deux points du mot formé à côté. Donc là, HO, ça fait 28. Ici, HO, ça fait 28. Si on avait eu AEI dans le tirage, eh bien, on aurait eu d'autres solutions possibles. HA, HE, HI, etc. Donc c'est très fréquent, ce 28, là. Vous le verrez à plein d'occasions. Voilà, donc on a joué OU, HOU à 35 en 14F. Et c'était le dernier coup de la partie. Donc maintenant, on va passer aux définitions. Alors, je vais les faire défiler, je vais en donner lecture. Elles ne sont pas nécessairement dans le sens, dans l'ordre d'apparition dans la partie, hein, puisque j'en ajoute de temps en temps après la préparation, donc on y va. Élier, verbe du premier groupe, hein, soutirer du vin pour en ôter la lie. Pour en ôter la lie, c'est joli à dire ça, c'est très musical. Albi, boisson normande faite de pommes et de poires fermentées. Alérion, en héraldique, c'est un petit aigle. Une petite aigle, pourquoi il y a un... Ah, je vais aller vérifier ça, tiens. Je fais pause. Bon, visiblement, le nom est aigle et féminin quand il s'agit de symboles, d'ornements, etc. Donc on dit une aigle. Bon, on en apprend tous les jours. Petite aigle, donc sans bec ni patte. Panique. Le panique PANIC, c'est une variété de millet. Cadonné, synonyme de cadoté, qui signifie en Afrique gratifié d'un cadeau. Squaw, c'est les Amérindiens. Ewe, adjectif d'un peuple du Togo. Baume, on avait pu jouer baumé et eux. C'est une pièce en marine. De gréement à laquelle est assujettie la partie basse d'une voile triangulaire. Et donc l'adjectif baumé signifie qui est doté d'une baume. Chabien, chabienne, du chabat, aujourd'hui le Katanga en République démocratique du Congo. Baï, adjectif, hein, ou béaï. Pareil, adjectif, donc B-A-H-A-I ou A-I-E, et B-E-H-A-I ou E-A-I-E. Relatif au baïsme, le baïsme étant, la même chose que le béaïsme, un mouvement œcuménique, persan. Beamer, chez nos amis suisses, c'est un vidéoprojecteur. Le char, C-H-A-2-R-E, en argot, c'est du bluff. Chéré avec un ou deux R signifie exagéré, en argot également. Avec un ou deux R, j'ai pas dit F, je sais plus. Avec un ou deux R, bien évidemment. Chevet, en creuser une pierre précieuse ou une pièce de métal. Le soum, c'est l'unité monétaire de l'Ouzbékistan. Flat, en Belgique, c'est un petit appartement. Et le loft, c'est le côté du navire frappé par le vent. Taxom, pluriel taxa ou taxom avec un S, c'est la même chose que taxon. Et le taxon, c'est en biologie une unité taxinomique, c'est-à-dire de classification. Hein, une famille, genre, espèce, etc.
Il manque les embranchements, les sous-ordres. Enfin, voilà. C'est assez complexe, la classification des êtres vivants. Typé, marqué d'une empreinte avec le Y. Maltais, convertir de l'orge en malt. Le tamia est un petit écureuil d'Amérique du Nord. Ourdé, maçonné grossièrement. Alors oui, c'était un sous-top sur le... Bah, c'est là, vous le voyez encore. C'était un sous-top sur le dernier coup. Voilà, Ourda. Chevré, on en a parlé. Ça ne s'emploie qu'à l'infinitif. Ça veut dire faire chevrer, faire enrager chez nos amis suisses. Et puis, Ellie, on l'a vu. Allez, on va rester sur un mot. Ourdé, tiens. Ça peut s'appliquer au Scrabble, un maçonner grossièrement, c'est on met un mot qui colle mais qui fait des mauvaises lettres, des mauvais mots, quoi, vous voyez. Je sais pas, hein. On peut imaginer. Donc le troisième temps de ce décodage arrive, je change. Je reviens au premier coup, je change mon affichage. Je vous demande une petite seconde et voici. Alors, au premier coup, évidemment, on a eu camping en 7 et 8 lettres avec le S et en 9 lettres compagnie. C'est magnifique. Camping plus 2 jokers, ça fait compagnie. Alors là, il y aura 3000 choses, donc je pense que on va zapper un petit peu. Donden. Oignonade. Ça s'écrit comme ça? C'est une plaisanterie ou quoi? Oignonade. Quelqu'un me fait une blague là. Punaise. C'est splendide. C'est magnifique. Oignonade. J'aurais jamais écrit comme ça, moi j'aurais écrit au moins avec le i et avec deux n. C'est pas bon avec deux n par contre. Comme quoi j'ai bien fait d'aller jeter un œil hein, malgré le tirage prolifique. Voilà, alors le suivant. Fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Affaire, effare, enfêté, feintera, fenêtre et aïe, ferait aïent, renfêté, fientera, érafle sur un L. Ça, on a vu, on a vu, on a vu, on a vu. Fenestra. Ah, d'accord, c'est la même chose que fenêtrer. Eh bien oui. Décidément, enfutera et faxer. Alors là, on avait vu voisine. Alors, d'Évion, Évidion, Ovidien, inviolée, olivine, violine. Envion, Vénion, Viennois, visionne. Pivoine. Et les autres, on les a vus. Donc il n'y a pas de voisiné et eux. Hein. Évitions, nivosité, vinosité et voisiné EZ. Voilà. Bon, là, il n'y a rien. Hein. On n'a même pas clownesque près. Non. Alors ici, eh ben, il n'y avait pas mieux que embouti, IE et embouillé en 7, 8 et en 9, éblouim, embolique, emboîture, emboîture Simone, emboîture, c'est magnifique. Et embouté, c'est un verbe aussi, hein, donc emboutier, IEZ,
Il y a emboutir et embouter. Alors, habile, pardon. Pas d'autre solution à part habille, d'accord. Et en neuf lettres, haïssable, ableré, blanchi. Là, il y a plus de choses quand même. Habileté, ablerie, basiphile, inhabile, habilité. Basophile. Alors, il y a basophile et basiphile. Habituel. Ok. Suivant. Alors là, je crois qu'il y a tremblé et e. Et c'est tout. Et remeuble, pardon. Bon, en neuf lettres, on va avoir les tremblés et remeubles, machin. Perméable, remballé, remblavé, remblayé, démeublé. Quoi d'autre d'intéressant? Ressemble. Ouais, sur deux S, c'est improbable là, mais voilà, c'est juste pour la curiosité. Bon, mais c'est tout. Alors là, j'ai rien vu avec ce tirage. Verglacé et clavardé. D'accord. Et il y en a trop. Hongrois. Erinose, qui est presque écrit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouh là là, mon Dieu, mon Dieu. Allez, Brownies et Wormien. Myrosine, Épiornis et Tyrosine. Et ça suffira bien. Alors là, on n'a rien. Et en neuf lettres, rien non plus. Alors là, on a flotta, donc forcément flotter à une yes, mais c'était le top. Falsetto et flaton. Platon, c'était un philosophe. Si, si. Alors, ah oui, Dartreux, extra-dur, je me souvenais plus. Je savais qu'il y avait une anagramme extra-dur, mais je ne la retrouvais pas. Extra-dur, Dartreux, Tartreux, du coup, et urétro. En plus de terreau surtaxé, que j'avais déjà dit à l'oral, mais qu'on n'a pas vu, en fait. Donc, il faut que je les dise, là, maintenant. Donc, Dartreux, extra-dur, terreau surtaxé, Tartreux et urétro. Tirage qui scrape sur 6 lettres, DDESTU, sur déduit sans le i, en fait, déduit au pluriel sans le i. Voilà. Ensuite, pape de Scrabble, autre potentiel que jurerait AIT, en 7, 8 et en 9, juratoire. Ok. Là, on n'a rien. En neuf non plus. L'amida ou l'amidate, je vais vérifier ça. Je connais plus. Je connais pas. L'amida. Territoire sous l'autorité d'un lamido. Au Cameroun, un chef traditionnel peul. Et enfin, le dernier coup. Bon, là, c'est pénible, les derniers coups, ils sont jamais très intéressants en termes de tirage. Du coup, ça fait un écran un peu vide. À la fin, il va falloir que je résolve ça. Je vais trouver des idées, vous inquiétez pas. Voilà, ben c'est terminé pour le décodage de cette partie. Une demi-heure encore. Bon, ben écoutez, ça me semble être le bon timing hein, pour aborder suffisamment de points, de sujets, de mots, de définitions, de tirages, puisque je pense que je vais assez vite, qu'il n'y a pas trop de pertes de temps, en fait. Et voilà. Donc, bon, très bien.
Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi cette partie et ce décodage. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à participer au jeu concours s'il est encore en cours, puisque ça peut être diffusé, ces parties. Et puis, pour celles et ceux qui le peuvent, contribuer financièrement pour nous soutenir, parce que c'est beaucoup de boulot, tout ça. Bientôt, il y aura des abonnements, mais ça prend du temps, puisqu'il y a certains critères à respecter, notamment le nombre d'abonnés. J'aimerais bien qu'on monte, que ça monte. Ça serait très utile, ça nous ferait gagner beaucoup de temps et voir des perspectives plus encourageantes. Allez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.